Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment réaliser ce petit débardeur au crochet. C'est un tutoriel qui est plutôt simple, il vous faudra maîtriser les brides et les mailles serrées. Vous allez voir, vraiment, je vais vous donner toutes les explications en pas à pas pour réaliser le modèle selon la taille que vous souhaitez. Je tenais également à vous remercier, on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne, vraiment ça me fait super plaisir. Je vous remercie également pour tous vos commentaires constructifs, pour toutes les idées que vous me donnez également. Et d'ailleurs n'hésitez pas dès à présent à écrire en commentaire quels sont les prochains tutoriels que vous souhaitez que je réalise sur ma chaîne. Sur ce, on est parti et on commence directement avec le matériel. Du coup, maintenant, comme d'habitude, vous le savez, pour les plus aguerris, je vais vous donner directement toutes les billes pour pouvoir le réaliser sans suivre le tutoriel. Et pour les autres, ne vous inquiétez pas du tout, il y aura le pas à pas et pas mal d'explications pour venir donc réaliser la taille que vous souhaitez. C'est un maillot vraiment très très facile à réaliser. On va commencer par réaliser 4 parties qui correspondent du coup au haut de notre haut. C'est très redondant, mais voilà, c'est comme ça. Je vais vous montrer donc comment réaliser les parties du haut. Donc en fait, vous allez faire la même fois 4 hein, pour avoir 2 parties devant et 2 parties derrière. On va commencer par constituer une maille chaînette. Et au fur et à mesure, on va venir donc élargir avec des augmentations. Et je vous montrerai donc comment on fait. Au niveau de cette maille chaînette de base, en fait, il va y avoir 2 données qui vont déterminer totalement la taille de votre maillot. Ça va être cette maille chaînette là et cette maille chaînette là. Pour le reste, vous allez voir, ça va être super facile. Donc au niveau de cette maille chaînette là, qui est la maille chaînette de base, là, moi, je vous ai mis des dimensions standards. Après, vous pouvez très bien adapter et faire comme vous voulez. Donc pour réaliser ce modèle, pour une taille XS, vous allez devoir partir sur entre 2 à 2,5 cm pour la maille chaînette. Pour un taille S et un taille M, 3 cm. Donc moi, je vais réaliser un taille M. Donc, je pars sur 3 cm. Pour une taille L, entre 3,5 et 4 cm. Pour une taille XL ou une taille XXL, partez sur une maille chaînette de 4 cm. Donc, une fois que vous avez constitué ces 4 parties, on va venir unir. Donc, devant, donc 2 parties, on va les unir. Et ensuite, 2 autres parties à côté qu'on va venir unir. La maille chaînette ici qu'on va réaliser, donc pour une taille XS, va faire 6 cm. On va séparer en gros ces 2 parties par une maille chaînette de 6 cm. Voilà. Hop. Donc pour une taille XS, 6 cm. Pour une taille S, on sépare par 7 cm de maille chaînette. Une taille M, donc moi là c'est ce que je réalise sur cet ouvrage, 8 cm. Une taille L, 9 cm. Une taille XL, 10 cm. Une taille XXL, 11 cm. En gros, on va rajouter pour chaque taille supplémentaire 2 cm vu qu'on va avoir 2 parties à réaliser. Donc une fois qu'on aura nos 4 parties et qu'on aura assemblé, on réalisera entre-temps donc une bordure en maille serrée, idem au niveau des bras. Vous pouvez même constituer des petits bouts de manche après si vous le souhaitez. On va venir donc, on aura hop, nos 2 parties comme ça. On aura ça fois 2 pour le devant et le derrière. On viendra unir directement par un rang de brides parce que de toute façon sur cet ouvrage, on ne va travailler qu'en brides. Donc il n'y a vraiment aucune difficulté, il faudra juste peut-être maîtriser d'abord les brides ainsi que les augmentations. Et ensuite, ça va être super facile parce qu'une fois qu'on aura uni nos parties par des brides, tout simplement, ici et ici, sous les bras, on viendra crocheter en cercle jusqu'à obtenir la taille que vous souhaitez. Vous voyez ? Et après, en fait, vous en faites ce que vous voulez. Là, c'est vraiment un débardeur de base. Hein, il peut vous servir pour plein de choses, pour faire une robe, pour faire un croc top. Vous pouvez très bien faire un petit pull plutôt pour le printemps en y ajoutant des longues manches. Vous faites comme vous voulez.
Vous pouvez, si vous souhaitez, utiliser des petits marqueurs. Donc voilà, il n'y a rien de très très obligatoire sur ça. Au niveau de la laine, donc là c'est une nouvelle pelote que j'ai, mais c'est pour vous montrer ce que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé du coton Kings de chez Hobby. Et il y a énormément à faire dessus, hein, parce que moi perso, avec ça, là il me reste encore, alors que au moment où je vous parle, j'ai pas fini de réaliser mon maillot, je suis sur la partie du bas, mais je vois le bout. Et je vous dirais qu'il vous faut environ 300 à 400 mètres. Je trouve que c'est bien, mais après, ça dépend énormément de la hauteur que vous allez faire pour votre maillot. Si vous faites un crop top ou un maillot long, une robe, une tunique, visez 300-400 mètres pour une taille, on va dire, S, M et L et ajoutez à chaque fois 100 mètres de plus. Donc là, c'est du fil 100% coton qui se crochette avec un crochet taille numéro 3, mais j'ai utilisé un crochet taille 2,5. Parce que après c'est pas évident de savoir combien j'ai utilisé exactement vu que je partais sur une bobine qui était déjà entamée et que de base celle-ci mesure quand même 1700 mètres. Vous voyez, il y a de quoi faire dessus. On va commencer par réaliser quatre parties totalement identiques. Donc la partie avant, la partie arrière et chaque partie nécessite d'avoir deux morceaux comme ceci. Hop. Et moi j'ai mis des petits marqueurs ici pour être sûre de ne pas me tromper. Je les ai mis de sorte qu'ils soient tournés vers l'intérieur. Donc voilà la forme que l'on veut avoir. Hop, je vais essayer de caler ça un peu. Hop là, comme ceci. Et alors. 1. Donc là, je vais essayer déjà de vous faire une vision globale de ce qu'on va faire. Donc 1, 2, 3, 4. Sur ces 4 rangs, on ne va pas faire d'augmentation. Puis après, les augmentations, on va les faire au fur et à mesure jusqu'au rang numéro 15. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc là, de ce côté-là, ça ne va pas bouger. Alors que de ce côté-là, à chaque fois, ça va partir en augmentation, comme ceci. Puis à partir des rangs, du rang 16, pardon. Donc là, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. On va faire des augmentations faites des deux côtés. Pour avoir en fait quatre parties comme ceci. Je vous explique vraiment en gros déjà pour que ceux qui sont plus aguerris au crochet puissent partir en roue libre. Mais vous allez voir, c'est méga facile. Donc là, on va avoir un total de 22 rangs, peu importe la taille qu'on va réaliser. Ici, on va faire une maille chaînette donc qui correspond à la taille que l'on souhaite réaliser. Donc pour ma part, j'ai fait une maille chaînette de 3 cm. Et j'ai donc fait 6 mailles en l'air, sachant qu'on ne va travailler exclusivement qu'en bride et en augmentation de bride. Donc sur les rangs 1, 2, 3 et 4, on va faire les rangs tels quels. Si j'ai fait 6 mailles en l'air, je vais faire 6 brides. Si vous avez fait 10 mailles en l'air, vous allez faire 10 brides. Donc là, moi, j'écris 6 brides, vous forcément ça va correspondre à la taille que vous avez choisie, mais ce qui compte en fait c'est vraiment de comprendre le principe où est-ce qu'on fait les augmentations ou pas. Des rangs numéro 5 à 15, ici donc dans la partie extérieure, la partie gauche, celle-là donc, on ne va faire aucune augmentation. Les augmentations à partir de là on va les faire mais que vers l'intérieur. Donc en gros pour le rang numéro 5, je vais faire, en prenant mon exemple de 6 brides, je vais faire 5 brides suivies d'une augmentation. Et j'aurai un total de 7 brides. Mais l'augmentation, à chaque fois, elle va être là. Vous voyez, les augmentations, hop, moi je suis désolée, j'ai pris du violet. On ne va les faire que de ce côté. En tout cas, jusqu'au rang numéro 15. Et sur le retour, donc ici, je vais inverser. Je vais faire une augmentation, 6 brides, pour un total de 8 brides.
voyez? En gros, on va jongler comme ça. Un coup, l'augmentation, on l'a fait en premier. Un coup, on l'a fait en deuxième. Ça va s'alterner. Tac, tac. Tac, 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 et tac, tac. On ne veut des augmentations que sur la partie interne pour les 15 premiers rangs. Enfin, pardon, jusqu'au 15e rang. Ensuite, du rang numéro 16 jusqu'à la fin, on va venir faire des augmentations également de ce côté. En fait, ça va être super facile. Vraiment. Vous voyez, après les augmentations, on les fait là, au début et à la fin. En gros, au rang numéro 16, je vais faire une augmentation 15 brides, une augmentation pour un total de 19 brides. Là, forcément, c'est sur mon exemple à moi, celui que j'ai choisi. Mais c'est comme ça qu'on va fonctionner. À partir du rang numéro 16, on fait les augmentations au début et à la fin. Et on va en faire jusqu'au rang numéro 22. Et moi, pour mon rang numéro 22, j'ai fini avec un total de 31 brides. Vous voyez, je suis passée de 6 brides à 31 brides. On va commencer une partie ensemble juste pour être sûr que vous ayez compris. Mais vraiment, ça va être un tuto méga facile, sachant qu'on va vraiment utiliser des points très très simples. Je commence par faire une maille chaînette de 3 cm. Et pour ça, donc moi, il faut que je monte 6 mailles en l'air. Là, pour monter ma première bride, je vais faire directement une maille serrée, une maille en l'air. Mais si vous souhaitez, vous pouvez faire 2 mailles en l'air ou 3 mailles en l'air. Moi, je fais comme ça parce que ça me permet vraiment d'avoir un plus joli rendu. Donc, en fait, je viens directement dans ma sixième ici, piquer. Je récupère mon fil et je fais une maille serrée, suivie d'une maille en l'air. J'ai ma première bride. Et dans la suivante, hop, je fais mes brides normalement. Donc là, ça me fait 2 brides. 3 brides. 4 brides. 5 brides. Et 6 brides. Je tourne et directement, pareil, je fais toujours ma première bride de la même façon, perso. Je viens piquer directement, sans faire de maille en l'air, dans mes 2 brins. Je récupère mon fil, une maille serrée, une maille en l'air, j'ai ma première bride. Et donc là, pour les rangs 1 à 4, je fais juste des rangs de 6 brides. Voilà, on se retrouve pour le rang numéro 5. Je suis à mon rang numéro 5 et donc je suis venue mettre un marqueur pour bien marquer que la partie intérieure de mon maillot est ici. Donc ma première augmentation doit se trouver ici. Donc je vais venir faire 5 brides, une augmentation. Et je termine par une augmentation. Et juste petit point, si vous faites la même technique que moi pour venir réaliser donc la première bride, à savoir une maille serrée, une maille en l'air, j'ai réalisé mon augmentation donc dans la maille en l'air. Pour le rang suivant, donc je tourne et on a bien dit qu'on voulait les augmentations que au côté, dans le côté interne, en tout cas jusqu'au rang numéro 15. Donc là, forcément, pour le rang numéro 6, je vais commencer par une augmentation. Je vais faire une augmentation 6 brides. Donc je pique directement dans mes 2 brins.
une maille serrée, une maille en l'air, et au même endroit, je viens faire une bride. Comme ça, ça me fait une augmentation. Et je fais 6 brides. Et 6, donc je pique bien à plat dans ma dernière bride. Rang numéro 7, donc comme je commence dans la partie extérieure, pas d'augmentation. Pour le rang numéro 7, je vais venir faire 7 brides, une augmentation. Les augmentations, on les fait toujours à l'intérieur. Donc voilà, je vous laisse si vous voulez reprendre l'explication au début pour vous calquer sur le nombre de rangs. Et là, on se retrouve pour le rang numéro 16 pour être sûr du coup que vous allez bien débuter toutes les augmentations. Donc là, je viens de terminer mon rang numéro 15. À partir du rang numéro 16, donc je tourne et maintenant, je vais commencer chaque rang par une augmentation et le terminer par une augmentation. Donc là, je commence par une maille serrée, une maille en l'air qui valent pour ma première bride et dans la même, une bride. Maintenant, je vais venir réaliser 15 brides. Et dans ma dernière bride, je vais venir faire une augmentation. Vous voyez, là pourtant, je suis sur l'extérieur. Et pourtant, je fais également une augmentation. Donc maintenant, au lieu à chaque fois de prendre une maille en plus sur le total à la fin de chaque rang, on prendra forcément deux mailles en plus vu qu'on fait deux augmentations. Je vous laisse terminer donc votre partie et on se retrouve à l'issue du rang numéro 22. Une fois qu'on a nos quatre parties, donc juste aussi si vous souhaitez, je vais les mesurer, comme ça vous aurez les bases des mesures. Donc tout en haut, je me retrouve bien avec 3 cm, à peu près au milieu, donc on va dire avant, au niveau de mon rang numéro 15, je me retrouve avec 7 cm. Et au niveau de mon rang numéro 22 avec 14 cm. Donc, on va venir positionner de telle sorte que tous nos marqueurs d'intérieur soient vers l'intérieur. Bon, encore une fois, j'ai mis mes marqueurs dans les parties internes. Comme ceci. Et comme ceci. Et on va venir coudre en haut, en fait, là. Ici et ici. Donc là, voilà la configuration une fois qu'on est venu faire nos deux petits points de couture. J'ai remis des marqueurs juste pour être sûr de ne pas me tromper quand je vais assembler. Ici, ça reste les parties intérieures. On va venir réaliser la bordure et unir en même temps cette partie et cette partie par quelques mailles en l'air. À ce stade, on va donc venir constituer la partie ici de l'avant et de l'arrière tout en réalisant donc notre bordure. Pour ça, ici, pour la taille que j'ai choisie, je vais faire une maille chaînette d'environ 8 cm. Donc, je vais rattacher pile dans ma dernière maille de l'intérieur ici. En faisant bien attention de choisir la bride qui est le plus à l'extérieur. Vous voyez? Il faut vraiment travailler la bride le plus à l'extérieur. Et je vais venir donc déjà rattacher mon fil en faisant une boucle, une autre boucle et un nœud.
Donc déjà, là, ce que je vais venir faire, c'est juste ma maille chaînette. Douze, treize, quatorze, quinze et seize. Je vais voir ce que ça donne. Donc là, je suis pile à 8 cm, donc je vais rester sur 16 mailles en l'air et je vais venir donc rattacher cette maille chaînette de l'autre côté. Et là, pareil, vous voyez, je vais vraiment venir travailler dans la bride qui est le plus à l'intérieur pour ne pas venir rater une maille. En gros, là, moi, j'ai fini chaque bande avec 31 brides. Donc 31, 31, ça fait 32. Et à ça, je vais rajouter donc 16. C'est juste pour être sûr que voilà, que vous ayez bien compris qu'on piquait dans la dernière et que là, en fait, le tout, on allait additionner nos mailles après, à la fin. Donc là, je vais faire une maille en l'air et je vais couper mon fil et venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Une fois que j'ai rattaché la deuxième partie, je ne vais pas couper mon fil, je vais venir directement embrayer donc sur la bordure interne. Je vais venir faire une bordure vraiment très simple puisque je vais faire que des mailles serrées. Je vais commencer mon rang par une maille en l'air et je viens déjà travailler dans les 16 mailles en l'air que j'ai réalisées. Et je viens faire donc 16 mailles serrées. Et 16. Maintenant, et je vais en profiter pour cacher mes fils, dans chaque rang, en fait, je vais venir piquer comme ça. C'est ma technique, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Donc, un coup, on a le brin et un coup, on a vraiment la bordure ici, vous voyez. Alors, hop. Ici, on a un brin, le brin, en fait, qui constitue la bride. Et ici, on a l'endroit à chaque fois où on vient piquer pour réaliser de nouveau les brides. Un espèce de petit trou. Et en fait, je vais faire comme ça. Je vais faire un coup, une maille serrée, donc directement dans le brin, en piquant un peu n'importe où. Je fais une maille serrée, puis dans le trou. Voilà, dans l'espèce de petit rond. Moi, c'est ma façon de faire des bordures sur avec des brides. Mais si vous avez une autre technique, n'hésitez pas. Et donc, je vais juste faire un rang complet, comme ça, vous voyez, de mailles serrées. Donc, je vais vous laisser réaliser votre bordure et on se retrouve à la fin.
Donc à ce stade, voilà où nous en sommes. Une fois que tout est uni, et maintenant tout va aller vraiment très très vite. Du coup, on va juste, hop, pour vous expliquer mieux, je vais rabattre comme ceci. Maintenant, on va venir rattacher, peu importe où, de toute façon, on va le faire ensemble, notre fil et on va faire que des brides jusqu'à la fin en venant du coup unir également ces deux parties-là. Vous allez voir, ça va être méga facile. Donc moi, au niveau de mes mesures, ici, j'ai fini sur 31. Donc 31, 31, ça fait 62, plus 16, donc 8, ça fait 78. Et de chaque côté, j'ai également donc 78 à crocheter. En fait, c'est comme ça que je vais fonctionner pour compter mes mailles. Et vous, c'est pareil. Vous allez devoir additionner en fait vos quatre parties, comme ceci, au niveau du bas, plus le nombre de mailles chaînettes que vous avez fait de chaque côté. Et comme ça, vous allez être sûr de ne pas vous tromper au niveau de vos rangs. Parce qu'en fait, on va juste crocheter maintenant comme ride jusqu'à avoir la taille que l'on souhaite. Donc peu importe où, on vient rattacher. Donc moi, je vais attacher pile dans ma première maille ici, sur le côté. J'attache mon fil, je fais une maille en l'air et je viens faire mon petit nœud. Maintenant, pile au même endroit où j'ai rattaché mon fil, je viens faire directement, hop, une bride. Et pour ça, je fais donc une maille serrée, une maille en l'air qui vaut pour ma première bride. Je viens crocheter 31 brides, donc dans chaque maille qui se présente à moi en prenant bien à chaque fois les deux brins et on se retrouve pour venir unir. Donc là, 29. 30 et 31. Là, on va juste faire attention quand on vient unir à ne pas faire vriller forcément notre maillot, hein, sinon on va se retrouver avec quelque chose d'un peu étrange à porter sur soi. Et je viens faire une bride directement de l'autre côté dans ma première maille. Donc là, je fais mon jeté et je viens piquer directement ici. Hop. Et je réalise une bride. Voyez, là, je viens d'unir. Et je vais venir faire de nouveau, donc, que des brides, que des brides, que des brides. Arrivé de l'autre côté, je vais faire pareil. Je viendrai faire, une fois que j'aurai fini de crocheter dans ma dernière bride ici, je viendrai faire une bride directement de l'autre côté jusqu'à venir rattacher ici. Du coup, je préfère quand même refaire un petit point au niveau du bouclage ici pour être sûr que vous ne fassiez pas vriller votre ouvrage. Il faut bien que vous soyez dans cette configuration-là au moment où vous allez refermer de ce côté. Sinon, ça va être n'importe quoi et au rang d'après, vous allez vite vous rendre compte que votre maillot, vous n'allez pas du tout pouvoir l'utiliser. Donc là, une fois que vous êtes bien calé dans cette configuration-là, on va pouvoir donc venir faire de nouveau directement une bride de l'autre côté. Voyez? C'est pas évident dans la posture dans laquelle je suis. Hop. Et hop, vous voyez? Là, on est dans la continuité. Maintenant, mon ouvrage, je peux le tourner et reprendre normalement donc mes brides sur cette partie, sur la partie de la maille chaînette, puis venir unir ici, là où j'ai débuté. Donc là, j'ai fait une bride. Thank you.
30 et 31. J'oublie vraiment pas de venir piquer dans la dernière. Il faut avoir le même compte. Et maintenant, je vais pouvoir embrayer sur 16 brides vu que j'avais fait une maille chaînette de 16 mailles en l'air. Et maintenant, je vais venir donc fermer là où j'ai fait ma première bride. Donc ici, j'avais rattaché mon fil. J'ai fait une maille serrée suivie d'une maille en l'air. Je viens piquer dans la maille en l'air et je fais une maille coulée. Maintenant, je vais débuter donc chaque nouveau rang de la même façon et je le fermerai de la même façon que ce que je viens de faire. Donc, pour débuter mon rang et pour compter ma première bride, là où mon fil ressort, vous voyez, de l'autre côté, je viens le récupérer, je fais directement une maille serrée, une maille en l'air, et là, j'ai ma première bride. Et en crochetant de cette façon-là, j'aurai aucun décalage, ça ne se verra pas du tout. C'est vraiment, là, c'est la meilleure façon de faire quelque chose d'invisible. Et vraiment d'unis partout, on n'aura aucun décalage. Donc je vous laisse réaliser autant de rangs de brides que vous souhaitez pour venir réaliser donc votre petit maillot. Et à la fin, on viendra réaliser une petite bordure exactement la même que ce qu'on a fait là dans le col. Juste un tour complet de mailles serrées en utilisant la même technique pour venir donc faire la bordure finale. Donc voilà, je suis venue crocheter jusqu'à obtenir la taille que je souhaitais. Donc je me suis arrêtée un petit peu avant les hanches. Et j'ai également réalisé une petite bordure exactement la même que celle qu'on avait fait pour le col au niveau des bras. J'espère que ce modèle vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire quelles sont les prochaines réalisations que vous souhaitez que je fasse en commentaire. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut !